La police marseillaise a lancé sur les réseaux sociaux une enquête insolite, après la découverte de la dernière lettre d'un poilu, lors d'une perquisition, et des dizaines de généalogistes amateurs sont déjà sur les traces de ce soldat mort sur le front en 1915. Tout a commencé par une perquisition, dans le 5e arrondissement de Marseille, dans le cadre d'une affaire de cambriolage. Parmi les objets saisis, une lettre du 27 mai 1915 signée Jean Soulagne, un poilu engagé sur le front de la Somme, lettre adressée à son seul ami, Jean Audifène. Cette lettre a évidemment éveillé notre curiosité, et nous nous sommes dit que ce serait bien de la restituer à son propriétaire légitime, explique samedi le major Arnaud Louis, chargé de communication à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, à l'AFP. Je m'adresse à vous comme au meilleur, au seul de mes amis, écrit ce soldat, sergent Fourier au 73e régiment d'infanterie, avant de partir dans 2 heures pour une destination incertaine où doivent se passer de grandes choses. Et le matricule 3336, de demander un ultime service à son ami Jean Audifène. Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême. Vous ne refuserez pas le pénible service, en cas d'événement grave, d'avertir ma famille et ma fiancée qu'avant de mourir, après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne pense qu'à eux et leur envoie mon adieu suprême. À partir de ce courrier, les policiers marseillais se lancent sur Internet. Mais la recherche ne donne rien, c'est un vrai cluedo historique, une enquête historique, et nous n'avons pas de généalogiste, explique Arnaud Louis à l'AFP. Le policier songe alors à faire appel aux réseaux sociaux, via le compte Twitter @policena13. Un tweet donc jeudi après-midi, avec en photo le fameux courrier, et l'enquête est lancée. Moins de 48 heures plus tard, ce sont des dizaines d'éléments concrets qui ont déjà été reçus, explique Arnaud Louis, sans compter les milliers de messages de soutien. L'histoire est d'autant plus poignante que nous nous sommes rendus compte, via le site Mémoire des Hommes, du ministère des Armées, que ce soldat est mort 2 semaines plus tard, le 8 juin, à Buterne, Pas-de-Calais, explique Arnaud Louis, qui a aussi posté sur Twitter l'affiche de ce soldat de 24 ans, né à Marseille. Nous centralisons les informations qui nous sont transmises, et nous avançons rapidement, se félicitait Arnaud Louis samedi, sur les traces de Jean Soulagne, Jean Audifène et leurs descendants.